Toto, un like c'est gratuit, fais-toi plaisir, like, va liker, t'es mort. Par le plus chiant. Alors, vous ferez bien attention de comment vous allez le pousser, ce cylindre bloc là, parce que sur le cylindre bloc neuf il y a un endroit où il y a une rondelle en métal et là il n'y a que du caoutchouc, il n'y a que du caoutchouc, donc il faudra pousser comme ça sur le cylindre bloc et non comme ça. Ok, constatez que moi là j'ai ma rondelle en acier, donc je vais pousser comme cela. Attendez, je vais vous tourner l'étau, comme ça vous verrez un peu plus clair. Avec une douille de 24, ça devrait aller dans la logique. Dans la logique, ça devrait y aller avec une douille de 24. Je vais enlever la chèvre, elle me fait chier. Donc là, normalement, avec une douille de 24, ça devrait y aller dans la logique. Je dis bien dans la logique. Après, qu'est-ce qui est logique? Par contre, pour ce qui est de la douille extérieure, il va falloir vraiment quelque chose de très très large. Alors, apparemment, avec une douille de 60-50, ça pourrait peut-être y aller. On va voir ça tout de suite. Hop là. Et là par contre c'est du B. Là. C'est parti. Prions mes frères. Une douille de 24, ça ne va pas du tout. J'ai la douille qui s'enfonce dans le silent block. Donc pour l'extérieur, j'ai trouvé ce qu'il faut, mais par contre pour l'intérieur, ça va pas encore. On va essayer avec une douille de 27. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça passera. On va dire qu'il n'y a pas de raison que ça passe pas. Parce que là, c'est quand même coton. Hein. Parce que là, il faut vraiment y aller. Faut pas oublier que c'est de l'alu. Si j'éclate mon triangle, je suis bon pour en acheter un neuf. Donc
faut y aller avec amour et tendresse. Est-ce que j'aurais pas pété ma douille par hasard? Le morceau qui dépasse, je l'ai enlevé. Voilà, comme ça, ça me fera moins chier. Ce que je vais faire, c'est ce qui dépasse de l'autre côté. Je vais le découper gentiment, de façon à ce que je puisse passer une douille. En fait, ce que j'ai fait sur l'ancien cylindre bloc, cette partie-là, je l'ai découpée pour avoir accès justement à la douille en métal extérieure. Comme ça, au moins, je suis sûr que ça partira pas de travers. Et là, normalement, ça devrait y aller. Ça devrait y aller largement. Je devrais être moins embêté. Ça devrait y aller. Oups. Se met de travers, c'est pénible. Est-ce que ça bouge ici? Rien du tout. Ça bouge où est l'eau? Non, on va pas se prendre la tête plus longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si ça veut pas venir, j'ai d'autres solutions. Pas me casser le cul bien longtemps. Non. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va extraire la partie interne du cylindre bloc. On va pas se prendre la tête. Sinon ça va vite.
me gonfler. Et ça va se finir à la disqueuse, cette histoire. Bon, en lui tirant sur la gueule, il vient quand même. Hallucinant. Le fumier. Depuis tout à l'heure, je me prends la tête. Depuis tout à l'heure, je fais ma petite prude, là. Et là, le truc, il est venu tout seul. Non, mais j'y comprends plus rien. Voilà la bête. Bon. Je sais comment faire pour le prochain. Là, par contre, il est bloqué dedans. Non, ça va. Voilà la bête. Regardez. Attendez, où est le neuf? Regardez. Là, ce que j'ai fait, c'est le truc en caoutchouc. J'ai tout dézingué pour que ça poisse assez à l'aise. Et j'ai appuyé ici. Et une fois que ça s'est mis en butée ici, et ben le silent block, il est venu tout seul. C'est Maxificus. Par contre, là, ça va pas être la même joie. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un max de graisse sur le caoutchouc pour qu'il puisse passer sans qu'on l'éclate. Hop là. Hop là. Là, ce qu'il va falloir, c'est un tour de ta vis pour faire passer le bourrelet, en fait, le bourrelet du silent block. Une fois que le bourrelet sera passé, ça devrait y aller tout seul. Enfin, plus facile à dire qu'à faire, comme dirait l'autre. Hop là. Ça va être une tannée. Hein. Ça va être une tannée. Ce qu'il va falloir faire, c'est huiler tout ça au max. De façon à ce que ça rentre tout seul. Voilà. On s'essuie bien les mains pour pas avoir les mains qui glissent. Est-ce que ça serait pas plus sage de faire ça comme ça? Ah, je sens que ça va être marrant à remettre. Ah, je sens que ça va être marrant. Voilà.
Alors, déjà ça, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Donc on va mettre ça comme ça et ça comme ça. On va rigoler 5 minutes. Je te prie de croire. On va bien. Hop là. Là. Pour faire passer le bourrelet, ça va être une tannée. On va pas comme ça. Ça ne va pas comme ça. C'est la merde. C'est pénible à remettre. Il y a la lèvre qui fait chier. Bon, moi je me fais chier avec celui-là. Pour le deuxième, je me ferai moins chier. C'est déjà ça. Voyons le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Putain de ta mère. Tu vois pas la tannée que c'est, toi. Alors, comment qu'on pourrait faire? Avec un collier, peut-être.
Oh putain. Je crois que je tiens le bon bout là. C'est bon, c'est passé. Ouh, putain, c'est une tannée. Hein. Bordel. Ouh. Pour faire passer la lèvre, maman, j'en ai bombé. Hop là. Dépêcher avant que ça se fasse la malle. Réellement sans forcer. Si tu forces, tu es déjà mort dans le film. Voilà. Ouh, putain, j'en ai bavé. Là, c'était vraiment la merde. C'était bien pénible. Mais grâce à Dieu, c'est passé. Comme il se doit. C'est parfait, je suis content. Je suis très content. Voilà, in the pocket, in the bubble. Sans accroc. Je suis bien content de moi. Hein, franchement, je suis refait. Allez, on passe aux choses sérieuses. Passer sur ce modèle là, sauf que là ça sera beaucoup moins chiant parce que là sur celui là on n'a pas de lèvres internes qui vont nous empêcher d'extraire ou de renquiller. Regardez, là on a le côté extérieur et le côté intérieur, il y a une petite rondelle en acier de butée, donc on pousse comme ça pour extraire et on pousse comme ça pour le remettre. Allez, on y va, c'est parti. Peut-être que ça, ça irait. Hop là, ça, on va mettre comme ça. Le cylindre bloc 9. Alors ça, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe.
Donc ça. Ça, on va se claquer comme ça. Bon, ça devrait aller. Hein. De toute façon, il faudra bien que ça y aille. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas quelque chose de plus petit. Beaucoup trop grand. Non plus. Non plus. Ouais. On n'a pas le choix. On va faire ça avec celui-là. On va le mettre un peu de traviole, mais bon, c'est pas grave. On va se démerder. Voilà. Allez hop, c'est parti. Conforté. Perfecto. Donc là, et là, on a extrait le vieux cylindre bloc. Bon, de toute façon, ils sont d'origine. Hein. Donc, j'ai envie de te dire que ça leur fera pas de mal qu'on les change. Hein. Donc là, petite lichette de graisse comme d'habitude. Là, vous connaissez la maison. Dans la vie, faut que ça glisse. Là. Pom 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 pom. On va voir si ça y va. J'espère. Ça y va, doucement et sûrement.
C'était tendu quand même. Hein. C'était tendu. Tendu du slip. Pour enquiller, c'est quand même tendu du slip. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Constater que c'est bien plaqué. Je vous montre. Regardez. Là. Là. Avec des bons outils et un peu de système D, ça y va tout seul. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre.
Il faut que ça rentre. Mon chemin de vie a poussé comme ça. Essayer un autre système. Voilà, comme ça, on serait pas mal. Bon, ce qu'on va faire, on va faire ça. C'est du A qu'il faut, et non du B. Hop là. Hop là. Hop là. On serait pas mal comme ça, ouais. On serait pas mal. De faire un montage. Je vais faire un montage plus simplifié pour celui-là, je me ferai mon chier. Ça sera plus simple. Ça devrait aller beaucoup mieux. Montage un peu plus simplifié. Et voilà. Là, vous pouvez constater que mes cylindres blocs de triangle supérieur arrière ont tous été remplacés avec succès. Et voilà. Donc là, le deuxième cylindre bloc de triangle supérieur ne veut pas venir. Donc là, je suis en train d'user de persuasion. Là, je vais brûler le caoutchouc tant que je peux. Cas échéant, si ça ne fonctionne pas, cette partie-là, je vais la couper. Je pousserai la partie interne et puis après, on coupera la bague externe à la scie à métaux. Avec ce petit chalumeau là, on peut faire quand même quelques petites bricoles. Faut juste être bien chargé en gaz. Bon, c'est sûr, on pourra pas mettre à rouge un métal quelconque. Mais c'est déjà un bon début. Bon, on n'a plus le choix.
Il est quand même venu le saligo. Hein. Il a eu du mal, mais il est venu. Hein. Fumier, il était bien collé. Hein. Bordel. Truc de dingue. Non, mais on va. Pas à la rigueur, voilà. On peut faire ça, ça comme ça. Enfin, on l'a eu, la famille, on l'a eu. Le saligo. Putain, on a fait baver. Hein. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, surtout au niveau du démontage. Regardez, il aura fallu que je lui fasse la fête. Regardez comment il était bien calaminé, le truc. Tu m'étonnes que c'était collé. Et ça devait être pareil ici. Enfin, bref, voilà. Système D, ça fonctionne toujours. Voilà. C'est rentré tout seul. Comme dans papa maman. Sans abîmer le silent block. Je suis très content de moi. Voilà. Vous avez vu la famille? Quand on veut, on peut. Faut juste faire aller un peu sa tête. Allez, abonne-toi, allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wuldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche des notifs. Allez, peace and love, et paix sur vous.